Madame et monsieur, bonjour et bienvenue sur Union Reborn. Waouh! Le témoignage qui va suivre est un témoin très puissant. Une vidéo waouh, extraordinaire, où on nous dit des choses. Je suis sûr que vous avez vu dans le titre, je suis sûr que vous avez vu et que vous êtes curieux de voir ce qui va se passer. Alors, je vous dis bon visionnage à tous, bonne compréhension et surtout, lié le Seigneur Jésus-Christ à la fin, qui va répandre son esprit sur vous. Vous sauver. Bon visionnage à tous. Surtout, en dessous de cette vidéo, c'est tous abonnés. Cliquez là-dessus, abonnez-vous, activez la cloche, ne pas manquer la prochaine vidéo qui va suivre celle-ci. Celle-là. À bientôt. Merci beaucoup. Je disais que j'étais dans le cimetière à minuit avec ma femme la sirène des eaux et il y avait une foule de gens là-bas. Ces gens étaient des hommes ordinaires à la recherche du pouvoir, du succès et de la richesse. Chacun de ces gens avait reçu de prescriptions contenant des instructions de ce qu'il faut faire. Ce n'est pas facile de servir Satan car il y a des gens qui devaient coucher avec les cadavres enterrés. Alors que nous étions là, tout à coup j'ai entendu comme le coup de sifflet. Puis j'ai vu la foule former deux lignes. La première ligne était celle des hommes et la seconde était celle des femmes. Nous étions tous debout et nus dans ces lignes, puis j'ai vu un démon humanoïde de courte taille se tenir au-dessus d'une tombe devant la foule. Il avait les barbes qui descendaient jusqu'au sol. J'ai vu ce démon frapper la tombe où il se tenait avec un fouet, et comme résultat une femme qui est morte il y a plusieurs années est sortie de cette tombe. Elle était nue. Nous étions tous supposés coucher avec ce femme revenant à l'intérieur de sa tombe à tour de rôle. Les femmes qui étaient nues dans leur ligne étaient supposées coucher avec un homme qui était mort il y a plusieurs années comme nous à tour de rôle. J'étais effrayé d'assister et voir ce spectacle macabre. Puis un homme qui était un musicien populaire dans notre pays dont j'étais le nom me dit, « Joseph, je vois que c'est ta première fois de participer à ce rituel. Mais ne t'inquiète pas, tout ira bien. » Les paroles de cet homme me rassura. Au fur et à mesure que j'ai dialogué avec ce musicien, notre ligne devait courir pendant que les gens couchaient à tour de rôle avec cette femme revenant. Mais pendant que j'étais en train de dialoguer avec le musicien, j'entendis une voix qui retentit dans le ciel en disant, c'est l'aurore. C'est l'aurore. Une fois que cette voix retentit dans l'espace, c'était la débandade. Tout le monde était en fuite. Au fait, les activités des sorciers s'arrêtent quand il est matin vers l'aurore, et quand ils y aurore, j'ai vu avec mes yeux les sorciers qui s'enfouillaient en volant avec vitesse comme des missiles. Le ténèbre ne peut pas supporter la lumière. Je me suis toujours posé la question de savoir ce qui arriva au monsieur qui était en train de coucher avec le revenant quand la voix retentit dans l'espace. Pendant que j'observais ces sorciers qui s'envolaient dans l'espace, ma femme la sirène me tenue par la main et en un clin d'œil nous avons atterri à la maison chez nous. Puis la sirène me dit, « Joseph, quelque chose ne va pas avec toi. Je n'ai jamais amené quelqu'un au cimetière et ramené la personne à la maison sans avoir achevé ce rituel. » Wow. Vous voyez, ce témoignage n'est pas terminé. Il y aura une suite. Alors abonnez-vous rapidement sur cette vidéo, activez la cloche pour ne pas manquer la suite. Waouh, ça va être chaud, vraiment chaud. On se reparle.